Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Moonrise. Donc, on doit se rendre simplement, premièrement, à la colonie Kurada, il me semble. C'est marrant, j'ai pas le. Bah, j'ai dit une bêtise. Optionnel. Ah non, Gateway. Bon, bah écoutez, on va se rendre à Gateway pour ces deux petites quêtes. Et normalement, rien qu'en arrivant, on va avoir finalisé la quête optionnelle. Alors, voyons voir ça. Waouh, merci. Ces pierres des mines de Gazira sont un super ajout à notre musée. Tu sais, je n'ai jamais été ailleurs qu'à Gateway, mais je pense que ça changera quand j'aurai eu mon grade à l'académie. Bon, pourquoi pas. C'est tout ce que tu avais à dire. Marcus, c'est bon de te revoir à nouveau. J'ai entendu à propos de ce que tu as fait pour G-Way. Et la plupart des gens n'auraient pas été si gentils, même certains gardiens que je connais. Si t'as une minute à m'accorder, j'aimerais te présenter quelqu'un. Enfin, te présenter quelques jeunes gardiens à la taverne. Je pense qu'ils seraient impressionnés de te rencontrer, de te regarder combattre. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Allons-y. Alors, la taverne, elle était par là. De toute façon, je pense que c'est... Alors, comme d'habitude, chers amis, je vais finaliser les quêtes optionnelles avant d'avancer dans les quêtes de l'histoire, simplement. Taverne. Challenge Warden. Challenge an Apprentice. Pourquoi pas, mettons-leur la misère. Bonjour. Oh mais tu as des cheveux roses. Ça me rappelle quelqu'un. Pourquoi pas. Bon, commençons le combat. Bim. 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 On va pouvoir se faire facilement normalement. Et quand je dis facilement, j'entends bien sûr sans trop de problèmes. Boum. Dans tes dents. Dommage, c'est un échec. Et boum. Tiens, t'as pas une attaque pour s'attaquer directement? Voilà, parfait. On s'est attaqué au maître, voilà. Alors, plutôt que de faire mon boulot de gardien normal et d'attaquer directement les Solari, moi je suis un gardien protection des Solari, tout simplement. Et du coup j'attaque directement les maîtres, bien sûr, vous venez d'avoir votre grade, c'est parfait, allez-y, venez, venez, je vais vous taper dessus. Ça va être violent. Donc bon, allons-y, donc on va relancer encore les mêmes. Slislock, tiens, pour changer, ça fait longtemps. Hop. Parfait. Mais voilà, trois attaques électriques qui vont faire mouche. Si ça c'est pas génial, chers amis, que demander de plus? Boum, ça c'est fait. Boum, ça c'est fait. Boum, ça c'est fait. Bon bah voilà. Maintenant je pense qu'on peut finir avec un Fearless Rush. Non c'est pas un Fearless Rush, c'est un Plasma Bite, pardon. Je chie dans la colle. Boum. Ah ça ne l'a pas tué. Pourquoi pas? Bien joué. Ah bah si, voilà. Finalement, on l'a eu. You win! Tu tapes sur les jeunes. C'est pas grave. On continue, nous en faisons encore un troisième, il me semble. C'est parti. La méthode Waterloo, n'ayons pas peur de faire peur. Voilà, trop regarder monstre ici et vous viendrez comme moi. Un monstre et compagnie. Il y en a qui vont encore se rebeller face à mon super accent. Mon super accent british. Hop. Vous remarquerez que je me suis pas trop attaqué au gardien cette fois-ci. Hein. Le troisième aura plus de chance que les autres. Je l'annonce comme ça, c'est dit. Alors. Quoique.
Attendez, on va bien voir, est-ce qu'il aura plus de chance ou pas? C'est pas dit. Vu que c'est lui que je vise, c'est pas dit. Ah, il a eu de la chance. Ah bah non, je crois qu'elle s'est fait brûler pour la fin. Tant pis pour elle, Slislug, il gagne une quantité d'XP complètement honorable. C'est génial. Parfait, en plus on n'a pas eu à redemander un combat. Simplement pour la bonne raison que on a fini la mission. Hé hey Marcus, merci encore. Tu m'as vraiment inspiré pour mon travail, pour de, enfin tu m'as inspiré pour que je puisse travailler plus dur dans le futur et devenir un meilleur gardien. En fait, j'ai décidé d'appliquer. J'ai décidé de rejoindre le groupe appelé ce nouveau groupe appelé l'Alliance des gardiens vengeurs Vanguard. Je sais pas ce que c'est gardien Vanguard exactement. As-tu entendu parler d'eux? Enfin, donc on va mettre Vanguard Alliance. C'est encore une fois l'accent, hein. Faut que je mette l'accent sur les mots en anglais. Ils recherchent juste des jeunes gardiens comme nous. Et ils leur offrent de vraies opportunités de travail pour aider la plèbe, chers amis. Ce sera du travail très dur, mais. Enfin, ce sera un travail qui ne sera pas simple. Mais juste envie de faire quelque chose qui changera les choses. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose qui aura une importance, qui aura un impact. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et on a obtenu un fashion token en nous battant. Donc on va aller voir ce fashion token. Hop là. Ah là là, ma connexion. Bon bah tant pis, apparemment il veut pas faire la fashion token. Guild Hall. Il veut pas faire le Guild Hall non plus. Et le jeu a planté. Non, c'est bon, le Guild Hall il l'a fait. Alors, attendez. Peut-être qu'il va bien vouloir faire le fashion token. Il me l'a niqué. Ah 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 ah. Manage Inventory. Non, à mon avis, il me l'a donné, mais j'ai pas pu le voir. Oui, je sais, oui, parce qu'en fait, je suis pas sur le même. Sur le même PC que d'habitude. Teinture rose. Teinture rose, voilà, la teinture rose, je la vends. J'ai pas peur. Celle. C'était un plaisir de te voir à nouveau, Marcus. Reviens quand tu le veux. Bah, c'est sympa. Ouais, toutes les quêtes s'enchaînent à cause du lag. Oh, au fait, maintenant que t'es là, j'apprécierais si tu pouvais donner cette réponse au Guildmaster Ibly une fois que tu seras retourné à la colonie Kurada. Pourquoi pas. On va quand même aller voir les Warden, le style, parce que je sais pas si j'ai gagné un truc, moi j'ai bien envie de l'utiliser. J'ai pas gagné genre une couleur là, j'en avais que deux la dernière fois. Oh putain, j'ai gagné le béret de Ken Bogart. Oh nom de Dieu. Bon, j'ai pas l'habitude de porter un béret. Let's go. Bah non, il me faut la couleur. Eh non, je veux pas un béret bleu, moi t'es horrible, t'es totalement débile, il est horrible ce. Oui. Bon, je crois pas que j'ai plus foncé de toute façon. Ah oui non, c'est ma coupe de cheveux dessous. Par contre c'est à moitié con si j'ai les cheveux noirs en dessous en fait. Bon bah c'est pas grave. De toute façon je vais être trop beau. Alors. On a dit qu'il faudrait donc nous rendre à la colonie Kurada pour rendre la quête tout simplement au Guildmaster Ibly. C'est parti. Maître de Guild Ibly, est-ce que c'est vrai que vous avez envoyé Marcus Bonus en mission, en voyage, en tout ça, enfin, bref, en balade, en sachant pertinemment qu'il apprendrait des choses pour sa carrière de warden, de gardien. Hé, hey, je l'ai vu sourire. On avait raison. Ça vous en a mis du temps.
Marcus, laisse-moi te présenter un gardien en visite de Blue Haven. Donc l'havre bleu, j'imagine. Marcus, ceci, c'est ici, enfin voici Caroline. Et elle a une faveur à nous demander. On a besoin de quelques-uns de vos solaris locaux pour les examiner. Si tu peux me ramener quelques solaris de type pierre, je te promets de prendre soin d'eux. C'est sympa. Un Blockhead et un Toddle Rock. Alors Blockhead et Toddle Rock, faut que je les différencie parce que je crois que ça doit être les mêmes mais avec une évolution, il me semble. Hop. Toddle Rock, ok. Et le Blockhead, c'est quoi? D'accord. C'est l'évolution. Ok. Et donc tout ça, je pense qu'on peut les trouver dans les Gazira Mines. Ah, tiens, encore une quête. Ah non, ça va être revenir ici, non? Oula. Bla. Bah, c'est lag de merde. C'est lag de merde. Voilà. C'est pas optionnel, non, c'est bien là. Il faut venir avec les deux. Ah mince, je suis stupide. Dar en désert, voilà. Alors. Hop, Kazira Mines. Enter the Mines. On commence par le niveau 1, ce sera le plus facile. Oui, je suis au courant de tout ça, c'est juste que je suis pas sur le même... C'est dingue, parce qu'il a le jeu a réussi à sauvegarder, entre guillemets, votre progression. Mais il n'a pas sauvegardé le fait que vous ayez déjà fini les tutoriaux. Oui, je sais. Donc Toddle Rock et Blockhead. On devrait pouvoir trouver un Blockhead. Oh, what? Slee Slug. Voilà, ça devrait être fini. On doutait qu'il allait attaquer, je sais pas pourquoi. Boum! Voilà, ça c'est fait. Dismiss. Toddle Rock et Blockhead. Oui, j'ai un léger lag au niveau de ma connexion. Je suis en train de télécharger plein de choses, chers amis, sur ce PC. Alors, et surtout en plus j'ai les uploads en cours. Je cumule les bouchons de connexion, on va appeler ça comme ça. Ah, en voilà un, donc un Toddle Rock. Parfait. On va envoyer Slee Slug. Et toujours, voilà. Je pense que Slee Slug devrait pouvoir en finir. Parfait, merci. Je pense qu'il va avoir une évolution finale assez stylée. Oui, je sais. Bim. C'est pas mal comme principe, je trouve, la porte. J'aime beaucoup. Ouh, c'est quoi cette technique? Ground Resolve. Pourquoi pas. Une technique avec deux yeux alors que le monstre n'en a qu'un seul. Et qu'il ne peut pas le plier en plus, j'imagine. C'est parti. Donc le mieux serait de trouver un Blockhead dans le boss ou dans le troisième combat. Allez, hop. Blockhead. Toujours pas. Bon. Au pire, on tentera le deuxième niveau. Hein, et ainsi de suite jusqu'à le trouver. Non. Pourquoi j'ai envoyé celui-là, je sais pas. Hop. Enfin bon, ce sera sûrement terminé. Il est beau mon béret, dis donc, ouais. Et boum. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas besoin d'un autre Toddle Rock. Dismiss. Ah bon bah. Release. Ah, il me semble que j'en ai déjà un niveau 3. Enfin 3 étoiles en tout cas. C'est presque à noter hein, tout ça. Hein. Parce qu'il devrait pouvoir te faire apparaître ce que t'as le niveau. Enfin, ce dont tu as déjà le niveau. Je pense que ce serait une bonne idée. Après c'est à eux de voir. Allons-y voir ce boss. Et pas 3 vulcatures, mais putain, mais j'ai mis combien de temps à les trouver mes vulcatures moi?
Vous vous rendez compte? Monde de caca. Blazing Jab. Vulcature qui a un super, une super troisième évolution. Comparé à la gueule qui se tape là, franchement, classe. Très très classe. Le wiki commence à s'étoffer, donc je peux aller me permettre d'aller voir. Hop, voilà. Est-ce qu'on a un quick fire? Non, c'était celui-là. Hein. Quick Blaze. Boum! Comme papa dans maman. Comme dirait l'autre. Désolé les mecs. Eh ben on va aller se faire le niveau 2. Et ainsi de suite. De main en main jusqu'au plus vilain comme dirait l'autre. Oh. Niveau 2. On cherche toujours un bloc aide. On a un Doodle Rock. C'est parti. Commence bien. Quick Punch, pourquoi pas. Next. Avec un peu de chance, un blockhead. Toujours pas, un simple Toddle Rock. Pourquoi pas, on va envoyer que Slislug du coup. Voilà, ça devrait suffire. Au cas où. Hop là. Là, c'est marrant, Slislug n'a pas encore lancé son attaque. Pour une attaque quick, je veux dire une quick splash, il a été assez lent. Hein. Faut reconnaître que. On l'a connu plus rapide. En tout cas, je suis content à peut-être pouvoir avancer donc sur une autre zone, tout simplement. Ce qui pourrait être sympathique, parce que bon, la colonie Kurada, voilà, on a beaucoup de pierres, tout ça. Je serais curieux d'avoir plus de flammes et plus de flotte, tout simplement. Hop. Ah, le voilà. Parfait. Donc on aura les deux. Ça c'est génial. Hop, hop. Bim. Comme papa dans maman. Ah oui, il faut que j'arrête avec cette blague. Enfin avec cette phrase. Parce qu'il y a des gens jeunes qui comprennent pas et qui cherchent à comprendre apparemment. Et à mon avis, quand on met comme papa dans maman sur Google, c'est pas drôle. Oh, je vous ai donné une mauvaise idée, hein. Qu'est-ce que je suis vilain. En plus, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, donc bon, tant pis. Aussi, pour en revenir à ça, je risque de mettre fin à une aventure très prochainement. Sachant qu'elle a, elle a pas un franc succès et que je préférerais vous mettre quelque chose qui aura plus de succès. Quelque chose qu'on m'a réclamé déjà plus d'une fois. Du coup, je pense que je vais faire comme ça. Je comptais faire mettre fin à l'histoire de Diablo 3 et la terminer, au moins pour l'histoire, jusqu'à Diablo. Apparemment, personne ne s'y intéresse de trop. Donc je pense que je garderai des rushs de Diablo dans les lives. Donc, quand j'aurai la connexion pour faire des lives. Actuellement, là, aujourd'hui, je suis dans l'attente d'un appel d'Orange pour qu'on puisse revérifier ça ensemble. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore... Je l'ai recruté, le Toddle Rock, tout à l'heure. Je sens que j'ai fait une connerie. J'ai un doute. J'ai un putain de doute. Alors, bon bah espérons qu'il y ait un Toddle Rock ici. Et si je ne l'ai pas recruté, espérons que j'en ai deux et un moisi. Ce serait pas mal, mais il me semble que j'avais fait le vide déjà dans mes monstres une fois. Du coup, bon bah... On va bien voir. Hein. Voilà, 3 attaques électriques contre 2 petits Slislug. Il est beaucoup plus impressionnant quand on le voit de, en fait, en face. Pas quand on le voit de dos, en fait. Mais bon, quand il aura évolué, il sera déjà beaucoup plus impressionnant. Oh, un rang 3. Je te dismiss, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que je sais que j'en ai un rang 4. Et qu'il est dans mon équipe, d'ailleurs. Bon, parfait. Cependant, oui, là, ça m'inquiète. Est-ce que j'ai... Enfin, est-ce que j'ai capturé, entre guillemets, le Toddle Rock? Le Blockhead. Alors. New. All Solari. Trier. Stone. Oh putain, Toddle Rock, j'en ai un niveau 4, je savais pas.
J'ai un blockhead, pardon. Un total rock. J'ai deux total rock minimum. Et j'ai deux blockhead. C'est parfait. Je peux donner un blockhead de niveau 3, c'est pas grave. Parfait, donc on retourne à la maison. Kurada Colony. Et, chers amis, on donnera ces Solari dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que mon personnage arrive, voilà, mon personnage arrive donc au Guild Hall. Et comme ça, on saura quoi faire en début d'épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.